Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus particulièrement une vidéo de ma série d'actualités, d'actu du monde de la photo et de la vidéo où j'analyse littéralement chaque semaine des articles, des extraits de revues, des vidéos spécialisées pour vous. Et puis aussi, c'est l'occasion de débattre sur différents sujets. C'est un peu une vidéo un peu libre antenne, entre guillemets. Et du coup, aujourd'hui, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec un article de phototrend.fr qui présente le site pixedo.com. Et est-ce que c'est un nouveau Lovinpix? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Lovinpix, c'était tout simplement un site de fournisseur de matériel, un site français, qui voilà, s'occupait un petit peu comme Amazon finalement de livrer du matos, mais du matos spécialisé dans la photo et la vidéo. Et on trouvait énormément de choses sur ce site, et par exemple des articles que Amazon.com proposait, donc Amazon.com c'est tout ce qui est US, etc., et que Amazon.fr ne proposait pas, et du coup parfois eh bien, on ne pouvait tout simplement pas recevoir les articles en France, et du coup ben, on était privé de certains gadgets, alors qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui peuvent sauver la vie dans certains cas. Et puis c'était un site bien designé et tout, et ça pouvait donc être intéressant, une alternative finalement intéressante. Et donc depuis le 1er août de cette année, une nouvelle boutique en ligne d'e-commerce basée à Montpellier a vu le jour, donc c'est pixedo.com. Je vous laisserai bien sûr aller voir et juger par vous-même. Et donc on nous dit que Merwen Ba et l'ancien cofondateur de Lovinpix eh bien, participe à cette boutique, à cette aventure finalement. Donc on peut dire qu'ils sont liés entre guillemets entre les anciens de Lovinpix puisque Lovinpix a fermé. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi un petit peu l'actualité, leur entreprise avait fermé. Et donc alors c'est une approche nouvelle en plus de la vente de produits spécialisés photo et vidéo. Appareils photo, donc équipement vidéo, optique, trépied, éclairage de studio, accessoires variés et tout. Donc voilà, il y a un peu de tout au bon prix. Oui, puisque ce genre d'entreprise se bat vraiment pour avoir un prix correct, parce que des fois Amazon gonfle les prix artificiellement. Eh bien, Pixedo souhaite créer une véritable communauté, comme l'avait fait Lovinpix. Photographes et vidéastes professionnels comme amateurs devraient graviter autour du site en proposant du contenu varié. Donc le site proposerait des tests, des reviews de matériel, des conseils, des lives, etc. Donc bien sûr utiliserait ce pouvoir de la communauté, ce pouvoir d'Internet pour communiquer avec les autres. Et c'est ce qui est intéressant finalement, parce que derrière Amazon en fait, on ne peut pas vraiment mettre de visage, c'est une entreprise, une multinationale, alors que Lovinpix, ils avaient une chaîne YouTube où ils présentaient différents produits. Finalement, on retrouvait un peu toujours le même présentateur, les mêmes acteurs derrière, et ça donnait un visage, un réel visage à la marque, et ça pouvait être, c'était intéressant, ça humanisait le tout, bien sûr. Alors, et puis donc ils promettent un rapport qualité-prix intéressant, on y trouve des marques peu courantes, des trucs que Amazon voilà, ne livre pas en France. Et pour son lancement aussi, Pixedo propose des frais de port offerts, avec le code Pixedo Launch vers la France. Avec, bon, il faut acheter 100 € minimum, mais bon, quand on achète du matos, généralement, ça se rapproche vite fait, malheureusement, des 100 €. Et c'est valable jusqu'au 31 août 2017. Alors, article suivant, c'est un article qui nous vient tout droit de petapixel.com qui nous dit F240, 4 heures d'exposition et un poivron. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Déjà, F240, les gars, je ne savais même pas que ça existait, tout simplement. Alors, ça nous dit que Edward Weston, qui est donc un photographe du XXe siècle, tentait toutes sortes d'expériences. Alors, il a rencontré un problème lors d'une prise de vue d'un objet très proche de lui. En effet, plus vous approchez d'un sujet avec votre caméra, donc, ou avec votre appareil photo, plus votre profondeur de champ est réduite et étroite. Donc, c'est le principe de la macro. Pour capturer donc un poivron relativement petit, complètement donc centré de près, eh bien, Edouard avait besoin d'une ouverture extrêmement petite, bien sûr. Et du coup, le photographe Marc Seiber de Advancing Your Photography, un excellent accent anglais, vous aurez remarqué, a récemment été invité pour visiter la maison de Weston à Carmel, en Californie, par le petit-fils d'Edouard, qui n'est ni plus ni moins que le photographe Kim Watson. Et donc il a fait une vidéo d'un quart d'heure sur le sujet pour montrer finalement comment Edouard s'y était pris pour prendre en photo le poivron. Donc je vous laisserai la visionner, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, puisque c'est beaucoup plus explicatif que ce que je pourrais vous dire. Alors bon, c'est en anglais, mais je pense que vous y arriverez. Et donc, Edward a littéralement utilisé, a modifié son objectif pour qu'il ferme à f240 et à f240 pour vraiment pouvoir se rapprocher et quand même avoir une profondeur de champ suffisante pour faire une photo et que tout soit net. Eh bien, à f240, le pauvre, il a dû falloir faire 4 heures d'exposition pour tout simplement avoir un rendu bien exposé. Et donc, l'anecdote était intéressante, je trouve, un peu farfelue. Alors, moi, je lui dis dommage pour lui qu'il n'ait pas eu Photoshop à cette époque-là, puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas obligé de faire du f240, bien sûr. On peut utiliser une technique qui s'appelle le focus stacking. Donc, je vous encourage à rechercher. Il y a encore une fois une pléthore de tutos sur le net pour cette technique qui tout simplement consiste à... Donc, on va se rapprocher d'un sujet à l'extrême, pareil. Donc, on va avoir une très faible profondeur de champ. Donc, on va prendre en photo, par exemple, si on prend en photo le poivron, eh bien, la première partie du poivron. Puis on va prendre une deuxième photo où on va un tout petit peu décaler la bague de mise au point pour avoir un peu plus loin net, puis etc., 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 jusqu'à avoir couvert intégralement le poivron de netteté, entre guillemets, donc avoir plusieurs photos, je ne sais pas moi, 10 photos. Et après, on va les assembler avec Photoshop, où il va détecter automatiquement les parties qui sont nettes et les parties qui sont floues. Et comme ça, à la fin, on va avoir, si on n'a pas bougé, bien sûr, sur le trépied et tout, eh bien, un poivron totalement net, en beaucoup moins de temps finalement que du 4 heures d'exposition et du f240, sans faire tout ça, quoi. Mais voilà, les progrès scientifiques, on adore. Ensuite, une vidéo qui m'a bien fait rire, alors le concept est déjà connu, mais bon, je suis tombé dessus un peu tard, c'est 4 photographes, un modèle. Alors, donc ça a été repéré par Petapixel, c'est pour ça que je l'ai vu, relayé par Petapixel. Et donc, c'est une vidéo de la photographe Jessica Kobeissi, qui a une chaîne YouTube qui est assez active dans la photo, donc n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu tout ça, donc c'est en anglais. Donc elle a déjà sorti 4 épisodes sur sa chaîne où en fait à chaque fois elle invite des photographes à shooter le même modèle pour confronter leur vision, pour comparer en fait leur manière de faire aussi. Puisque en effet j'ai perdu mon texte, on adore tout ça, c'est du live. En effet donc les photographes ils choisissent chacun un lieu et une tenue pour la modèle, puis chacun shoot pendant 3 minutes en fait. Ce qui veut dire que c'est pas juste on a décidé les vêtements à la base et la manière de poser et puis après chaque photographe fait comme dans un workshop et bien shoot pendant un laps de temps donné. Là c'est vraiment chaque photographe va se donner au jeu, c'est-à-dire et bien va choisir la tenue, choisir le type de pose et choisir le lieu et là après tous les autres auront 3 minutes intégralement pour shooter. Donc allez voir la vidéo, vraiment elle est marrante, elle est bien montée, j'adore les couleurs de la vidéo de cette youtubeuse. C'est vraiment intéressant. Alors, donc, il y a 4 photographes. C'est des photographes assez hype dans le milieu. Et bien, donc, il y a Jessica Kobeissi, donc un Canon 5D Mark III avec un 50 mm 1.2. Donc, ça, c'est pour les exifs de chacun. Il y a Dani Diamond, notre cher Dani, que je cite de temps en temps, qui est, vraiment m'a appris pas mal de trucs, qui shoot au Nikon D800 et au 85 mm 1.4. Donc il fait toujours ça, 85 mm 1.4. Il y a Joey L qui lui shoot au Phase One XF avec un IQ 250. Alors bon, au calme le mec, donc en gros un moyen format numérique portable. Il y a Brandon Woelfel qui a un Nikon D750 et un 85 mm et utilise aussi des 50 mm. Hop, on reconnaît clairement, on reconnaît le style de Dani, vraiment, Dani, il a tellement un style puissant, enfin en tout cas moi je le suis plus que les autres photographes, c'est pour ça, mais on voit clairement qu'il a un style différent et qu'il ressort du lot comme ça, et c'est pas juste dû au 85 1.4 qu'il utilise, parce que voilà les autres ils ont un 50 1.2 et pourtant bah, ça rend pas pareil, tout simplement, c'est même le placement de la lumière finalement, il crée un contraste, un detouring dans le visage, où les autres se contentent plus de faire une lumière un peu plus plate. Alors c'est un style, hein, ou carrément un noir et blanc très piqué avec du Phase One et tout. Mais voilà, moi en tout cas Dani, j'apprécie beaucoup. Article suivant, c'est Voyager, un tube de lumière étanche et résistant avec une batterie intégrée. Alors ça va intéresser plusieurs personnes, je pense. Donc c'est un article qui nous est répertorié par leblogphoto.net. Et donc à la base c'est un projet Kickstarter, enfin pas un projet Kickstarter mais un projet de financement participatif qui vient de indiegogo.com, voilà, j'adore le nom du site. Donc c'est un tube de lumière Voyager qui est un tube LED que vous pouvez contrôler via le smartphone, via une application assez évoluée, on le voit dans la bande-annonce. Pour contrôler un ou plusieurs bâtons LED en même temps et ainsi créer des motifs. Donc ça peut être intéressant, surtout pour des clips par exemple. Ils sont tous alimentés par une batterie et dotés d'un contrôleur d'animation intégré. vous pouvez facilement configurer l'éclairage, comme par exemple changer la couleur ou diminuer son intensité, et ce toujours via le smartphone. Et ça, c'est intéressant aussi qu'il soit alimenté par batterie portable, que ce ne soit pas un vulgaire tube néon qu'on achète à Bricorama, c'est pour ça que ça justifie le prix aussi. Parce que pour faire ce genre de délire en extérieur, eh bien, il faut soit un groupe électro, soit branché sur une batterie et tout, ça devient compliqué dès qu'on part en fait loin d'une prise de 120 volts. Donc il dit qu'il y a des séquences d'animation complètes en termes de couleurs et d'intensité qui sont disponibles, donc voilà, on peut vraiment faire un clip et on peut vraiment avoir des idées créatives avec. Ces unités sont disponibles en deux tailles, 61 cm et 1,2 m. Donc voilà, les tubes de lumière Voyager peuvent également être utilisés sous l'eau. Ils sont underwater protective, je sais pas si c'est dit, mais en gros ça c'est vraiment top parce que tous les plans à base de piscine et tout, on sait jamais en fait comment éclairer sous l'eau. Ce genre de problématique. Alors on se dit bon, on va foutre des boîtes à lumière en haut de la piscine, on va mettre le générateur à fond et comme ça, ça éclairera quand même un petit peu l'eau, mais on ne sait jamais. Et là, c'est vraiment très sécure parce qu'il n'y a pas de fil qui traîne par terre, qui risque de prendre l'eau, parce que le projet risque pas de tomber, etc. Puisque un tube néon en plus, ça fait une lumière très douce, très jolie pour tout ce qui est modèle et tout. Et puis là, c'est complètement sécure puisque c'est fait pour ça, c'est étanche. Alors aussi, les voyageurs peuvent se synchroniser avec un appareil photo avec une vitesse d'obturation aussi rapide que 1/500e de seconde. Donc, c'est pas intéressant. Voilà, donc on peut filmer finalement dans plusieurs cadences de vitesse d'obturation pour faire des ralentis et tout, sans avoir en fait le grésillement dégueulasse du haut néon et tout. En plus, j'imagine que vu que c'est des LED, eh bien, ça fait pas comme le néon, ça perturbe pas les instruments pour enregistrer le son. Parce que qui dit néon dit source de bruit pour le son dégueulasse, très souvent. Ce système d'éclairage sera disponible si la campagne de financement est réussie à partir de 290 $ à la fin de 2017. C'est cher, mais c'est cher pour tout ce que je vous ai dit finalement, tous les avantages. Alors bien sûr, ça ne sert à rien de l'acheter pour une fois, pour un plan. Clairement, préférez aller à Bricorama ou Monsieur Bricolage, je ne sais plus, et acheter un bande de néon, là, il y a des rouges, des bleus, des jaunes, vous avez sûrement dû voir ça. Ça coûte 30 balles, vous le branchez sur le 220, et puis voilà, ça s'arrête là. Après, si vous avez une utilisation quotidienne ou si vous aimez vraiment ce genre de style de lumière, eh bien, préférez ça, et ça vaut du coup son prix. Citation de la semaine, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, malheureusement. Eh bien, la photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Vous l'avez sûrement déjà entendue, puisqu'elle est assez connue. Elle est de John Stuart Mill. Eh bien, cette vidéo donc touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu totalement, totalement plu. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous! Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!